Ok. Je sais pas ce que je fous à laisser un message sur ce foutu répondeur. C'est comme si on me disait parle à des gars dont t'as jamais vu la couleur. Qui passera dans une émission où ils savent trop faire les cons. Pas de place au manque d'inspiration. Je vais faire ce que je sais faire et écrire ce que j'ai fait hier. Ouais les gars, sérieux, franchement. Arrêtez de m'inviter dans vos émissions de merde. Tout ça pour me vénère. Franchement, vous avez qu'une envie. C'est que je me vénère avec vos chroniqueurs et que je calbuzz. Eh hey, Cyril Hanouna, écoute-moi bien frère. Moi je suis pas un mec vénère, ok. Moi je suis un mec sage. Je suis un mec doux, hey, moi je suis l'ami des bêtes, la vie de ma mère. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je suis un mec éduqué. On m'a éduqué dans l'amour de mon prochain. T'es mal mon prochain, qu'est-ce qu'il y a? Voilà mon prochain, ce que je lui fais. Moi je le caresse, je le cajole. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça mon prochain, voilà. Tu trempes le pain dans le fromage, attention c'est chaud. Fondu, t'attends des heures que ça fonde un peu et tu te fais voler ton tour. Raclette, t'as lâché le crouton, tu passes pour un con mais plus personne fait de gage. Fondu, t'as mangé la peau du fromage et tu frôles l'indigestion. Raclette, tu finis bourré sans avoir bu d'alcool et t'as déjà envie de chier. Fondu, t'as mangé des tonnes de grisons mais t'en as jamais vu en vrai. Raclette. Ouais sérieux, c'est quoi ce délire des rappeurs qui viennent de Normandie qui vous disent quoi manger? Je vais vous dire comment ça se passe ici avec B2O dans le 9TI. J'entends pas que ça tombe du ciel. Si t'aimes pas le filet aux fiches à Paname, t'es la banane du siècle. Ceux qui bouffent de la raclette sont des victimes. Que des filets aux fiches dans ma team. 9 de I. Ouloulou. Non, monsieur, je ne crois pas, monsieur Martial, que cela soit opportun, monsieur, pour vos auditeurs de laisser des messages et d'écouter vos rappeurs vulgaires qui se permettent de donner des conseils de nutrition. Oh Louis, tu peux arrêter de jouer avec la lumière, ça suffit, je parle à VL. Je vous disais, la jeunesse souffre, monsieur. Il y a le chômage, il y a la famine, il y a l'hiver, il y a la pluie, et il y a le piment d'Espelette dans le couscous. Je crois qu'il y a des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus urgentes à traiter dans ce pays, monsieur Martial, et je vous serais gré de vous faire messager auprès de la jeunesse. Tu mets la viande au four, y'a pas une goutte de sang. Viande blanche, tu croques un morceau, t'as déjà peur pour tes artères. Viande rouge, tu crois que...